Alors, ça y est, on va pouvoir y aller. Bienvenue à vous tous et à vous toutes, ou à vous toutes et à vous tous. Donc, je vous présente Amandine Renaud, qui est actuellement en République démocratique du Congo, dans une forêt, au milieu d'une forêt, qui s'appelle la forêt de Kobio. Kyobo. Et qui était à peu près à combien de kilomètres de la capitale, à peu près? 450 kilomètres de Kinshasa, ce qui fait à peu près 11 heures de route. Ah oui, d'accord. Donc, okay. C'est juste à côté. D'accord. Et donc, tu t'occupes d'une comment tu appellerais ça, toi? C'est une organisation, comment tu la qualifies, ce que tu as créé là-bas? Ce que j'ai créé là-bas, c'est un centre de réhabilitation pour les primates, mais on peut appeler ça un orphelinat pour les primates également, en fait. D'accord. Et qui, voilà. Qui est donc qui s'organise comment? C'est-à-dire que tu as une réserve autour de toi où il y a tous les singes en liberté. Comment ça se passe? Si vous entendez, là, il y a les chimpanzés qui sont en train de vocaliser, d'ailleurs. Ah, génial. Comment ça se passe? En fait, donc j'ai monté l'association Piwak, qui est une asso française, et on a en fait acheté des terres ici. Donc on est propriétaire de 100 hectares, 90 hectares de forêt, 10 hectares de savane. D'accord. Et pour l'instant, du coup, ce sont nos terres, mais j'aimerais bien, oui, qu'à terme, ça devienne une réserve et qu'on puisse acheter plus de terres pour agrandir le site et avoir une réserve naturelle digne de ce nom. D'accord. Et donc, il y a combien de personnes qui travaillent actuellement pour Piwak? Alors, en France, on est tous bénévoles. On est 5 bénévoles actifs, on va dire, et on est une toute petite équipe. Et ici, j'ai à peu près 10 travailleurs, et ce sont que des personnes qui viennent des villages, en fait, donc des populations locales, qui découvrent les métiers de la conservation en lien avec la protection de la forêt, la protection des singes. Et alors là, vous vous occupez de combien de singes actuellement? De petits. Là, on en a 15. Ouais. 15, et on a 4 chimpanzés, dont un petit bébé qui a un peu plus d'un an. Là. Et alors, ce sont essentiellement des chimpanzés? Non, 4 chimpanzés, et le reste, ce sont des Cercopithèques Ascagnes. C'est un nom un peu barbare, mais c'est des petits singes à queue, justement, donc pas des grands singes, et ils ont un petit nez blanc. Je ne sais pas si on peut envoyer des photos en même temps, mais sinon, je peux envoyer des photos après. On va profiter de cette bonne qualité de connexion pour rester là-dessus. Et donc, okay. Donc Piwak, donc ton association, quel est le but? C'est la préservation. J'imagine le but principal, c'est la préservation et des singes et tout ce qui est primate. Mais il y a aussi un travail qui est fait avec la forêt autour. Oui. En fait, l'objectif premier, c'est vraiment de préserver les singes du Congo, et ouais. Plus précisément du Congo central. Donc, le Congo central, c'est notre province d'action, en fait, et c'est au sud-ouest de la RDC. On est en gros à 30 km de l'Angola. Okay. C'est vraiment à l'ouest. Et notre objectif, en fait, premier, c'est vraiment de venir en aide aux primates qui sont victimes du braconnage ou de la déforestation. D'accord. De les récupérer, de les soigner pour après, d'ici quelques années, pouvoir les remettre en milieu naturel, à l'état sauvage. Okay. Et comment dire, en fait, on ne peut pas juste travailler avec un animal, une espèce, sans protéger son habitat. Et comme notre objectif, c'est de remettre les singes à terme en milieu naturel, on a aussi un volet préservation des forêts tropicales. Et ça passe justement avec l'implication des communautés locales. En gros, je travaille juste avec les gens qui viennent des villages voisins. Mmh. Et on travaille ensemble pour réhabiliter ces singes à l'état sauvage. On patrouille en forêt pour voir s'il n'y a pas de braconniers, pour enlever les pièges, pour arrêter les coupeurs de bois, par exemple. Parce que quels sont les dangers principaux pour les singes, actuellement? Alors, la plus grande menace qui pèse sur les singes, c'est pas forcément les grands singes, on va dire tous les animaux sauvages, en fait, c'est la perte de l'habitat. Donc ici, c'est la déforestation. Et en fait, ici, tout est déforesté pour l'exportation de bois tropical, bien évidemment, même si c'est soi-disant réglementé. Mais après, c'est énormément déforesté pour le bois de chauffe, ce qu'on appelle le makala ici.
Donc, c'est du charbon de bois, c'est aussi déforesté pour que le village puisse s'agrandir, pour que les villageois puissent faire des champs et donc l'agriculture locale. Et donc, en fait, plus les gens vont couper du bois, plus ils vont participer à la fragmentation des forêts. Ouais. Et plus les animaux vont se retrouver dans ce qu'on appelle des patchs de forêt, en fait. Donc, ils vont se retrouver isolés avec moins de nourriture, moins d'espace de vie. Et en même temps, plus les chasseurs vont avoir un accès facile dans ces coins de forêt isolés pour aller chasser tranquillement. En sachant aussi qu'avant, les gens chassaient avec des armes traditionnelles, des flèches empoisonnées, par exemple. Et maintenant, ça se fait avec des armes un peu plus modernes, on va dire. Des fusils, des AK-47 et autres. Mais du coup, Donc voilà. est-ce que vous êtes menacé justement parce que ben, vous chassez sur leur terrain, entre guillemets? Alors, on va dire que enfin, on est vraiment bien accueillis parce qu'on est dans une zone où il n'y a pas du tout d'emploi. Donc, les 10 personnes qui travaillent avec moi, ça représente en fait un revenu pour 10 familles, donc c'est pas rien dans la province. Par contre, voilà, de temps en temps, on a quand même des chasseurs qui viennent à 100 mètres, 200 mètres du camp, parce que comme on est là depuis 2015, on est tout le temps sur le site, tout le temps à protéger nos forêts. Les gens le savent, mais les animaux aussi. Donc les animaux reviennent. D'accord. On voit de plus en plus d'antilopes, de petites mangoustes, enfin plein de petits mammifères, on va dire. Et forcément, les chasseurs le savent aussi. Bien sûr. Donc les chasseurs arrivent assez fréquemment, surtout en saison sèche. D'accord. Et voilà. Après, en fait, il y a deux types de chasse, on va dire. Il y a les chasseurs locaux qui vont chasser pour vendre leur chimbrique, c'est une sorte de rongeur. Et puis après, il y a le trafic international, destination de la Chine principalement. Donc ça, c'est un autre énorme business. D'accord. Et donc, pour l'instant, on n'est pas menacé. Mais après, on reste une petite structure, on travaille vraiment main dans la main avec les gens. Donc, on n'a pas encore de problème, mais ça pourrait venir parce que tous les gens qui travaillent dans la conservation, pardon, sont confrontés au braconnage, aux menaces des braconniers et autres. Donc, pour l'instant, on est safe. Bon, ouais, on croise les doigts. Et comment vous est-ce que vous récupérez les animaux qui, enfin les singes qui ont besoin d'aide? Est-ce que ce sont des villageois qui vous amènent un singe qu'ils ont récupéré? Ou est-ce que c'est vous qui tout d'un coup, comment ça se passe ça? Alors, ça dépend de l'espèce. Par exemple, le chimpanzé, c'est un primate qui est protégé par des lois internationales et on n'a pas le droit de le posséder, de le chasser ou de le consommer. Donc, en fait, pour les chimpanzés, c'est l'État qui va faire des saisies et qui nous D'accord. contacte après pour qu'on puisse récupérer les primates. D'accord. On a réussi à faire sortir deux chimpanzés du zoo de Kinshasa avec l'accord des autorités locales. Et ensuite, on a récupéré un chimpanzé qui était chez un féticheur à Kinshasa, donc un sorcier local. Et le petit bébé qui est arrivé, lui, par contre, était destiné à la Chine. D'accord. Et voilà, là, on travaille vraiment en partenariat avec les autorités locales, le ministère de l'Environnement, l'ICCN. Et pour les petits singes, donc les cercopithèques, ils ont un statut de protection qui est différent. OK. Ils sont partiellement protégés, en quelque sorte. Et là, soit les gens nous les apportent, soit on les trouve, ils sont en vente, en fait, à même les rues, dans les marchés. Donc D'accord. après, c'est à nous d'aller. Soit directement parler à la personne pour saisir l'animal, soit on fait intervenir la police locale. Dans tous les cas, on n'achète pas les singes. Ça, c'est hors de question, parce que si on achète un animal, le chasseur repart aussitôt en forêt pour capturer et se faire un nouveau butin. Donc, ça encouragerait le braconnage. Donc, on n'achète pas, on fait principalement des saisies et de la sensibilisation aussi. Ok, je Voilà. comprends. Et quelles sont les conditions sur le terrain? Les conditions de vie? Ouais, les conditions de vie. Comment ça se passe au quotidien là où tu es? Comment ça se passe? Alors, déjà, il faut imaginer une forêt Ouais. quasi vierge. On a installé un campement vraiment rustique. On a deux maisons pour le staff et après, c'est principalement des structures pour les singes, D'accord. une clinique vétérinaire, une zone de quarantaine, des enclos de réhabilitation. Ouais. Et en fait, on est tout le temps là. On a une équipe permanente sur place. D'accord. Et le travail est différent en fait en fonction des individus. Parce qu'on a des singes. Alors, je ne sais pas si ça coupe. Non, ça Ouais, va? non, ça va, t'inquiète pas. Okay. On a des singes qui sont en réhabilitation dans des enclos, donc on va les nourrir plusieurs fois par jour, on s'assure qu'ils sont en bonne santé. Et puis on a d'autres singes qui ont déjà commencé une sorte de réhabilitation à l'état naturel. Donc là, en fait, on va suivre les petits, donc les singes du lever
jusqu'au nicher. Le nicher, c'est le coucher, en fait. Et donc, en fait, tout tourne autour du singe. On peut dire qu'on n'a pas de vie sur place. C'est vraiment lié aux aléas du terrain, aux maladies, aux nouveaux pensionnaires qui arriveraient, aux saisies. Ça fait combien de temps que tu es sur place? On a ouvert en 2017. En fait, je suis arrivée ici en 2015. Il m'a fallu 2 années pour avoir toutes les autorisations de l'État. Et donc, on a ouvert en 2017. Et depuis fin 2017, on a commencé à récupérer des petits. Ouais. Et voilà. Et donc vous, depuis 2017, vous vous êtes occupé de combien de singes à peu près? Eh ben, on a toujours, enfin, là maintenant, on en a 15, mais on a commencé par un, forcément. Et comment dire? On pourrait récupérer beaucoup plus de singes. Le problème, c'est que on est une petite structure et qu'on peut pas récupérer des singes juste pour les mettre en cage. L'objectif, c'est vraiment en fait de les remettre à l'état naturel et d'avoir suffisamment de moyens pour s'occuper d'eux correctement, de les nourrir correctement, de les soigner correctement. Donc, pour l'instant, on en a que 15. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez déjà relâché des singes dont vous vous êtes occupé et que vous avez vu grandir ou pas encore? Non, pas encore. En fait, pour les petits cercopithèques, à ma connaissance, mais je me trompe peut-être, à ma connaissance, il n'y a pas eu de relâché en milieu naturel sur ces cercopithèques-là. Okay. Mais peut-être que je me trompe, hein, à vérifier. Et pour les chimpanzés, c'est très très long. Là, les chimpanzés qu'on a ont entre 1 et 6 ans. Okay. Et en fait, on va dire que 6 ans, c'est à peu près, entre 5 et 6 ans, c'est l'âge où, par exemple, un chimpanzé va arrêter de téter sa maman. C'est-à-dire qu'il est encore jeune. Et nous, en fait, on est dans un processus de réhabilitation qui va partir sur une dizaine d'années. D'accord. Où on va avec eux en forêt, on les accompagne, on découvre avec eux ce nouvel environnement. Et donc, la réintroduction au milieu naturel, ça sera pas avant une dizaine d'années, en fait. Il faut que ces singes soient en confiance avec nous, il faut qu'ils soient aptes à vivre en milieu naturel, à trouver leur nourriture, à se débrouiller. Il faut aussi qu'il y ait une sorte de cohésion sociale entre eux, en fait, parce que les chimpanzés, ce sont des primates vraiment sensibles et qui ont besoin de leur groupe pour survivre. Donc, on ne peut pas relâcher un chimpanzé en pleine nature comme ça. Donc, il faut vraiment un groupe, une unité et une cohésion entre eux. Mais il faut aussi que l'endroit de relâcher soit protégé. Et c'est ça aussi qui est long. Parce que là, si on relâche un chimpanzé ici, il n'y a absolument rien qui nous assure qu'il sera protégé derrière. Donc, c'est à nous de mettre en place les procédures pour qu'une réserve soit créée, pour que davantage d'éco-gardes les suivent, en fait, et les protègent au quotidien. Donc, c'est très, très long. Et comment tu es arrivé dans cette région? Pourquoi tu as choisi cette région? et ma deuxième question, c'est comment tu es devenu primatologue? Alors, comment je suis arrivée dans cette région? En fait, j'avais déjà travaillé en RDC en 2010, au cœur de la RDC, dans le parc national de la Salonga, avec des bonobos. D'accord. Et j'avais vraiment bien aimé ce pays. Je me sentais bien motivée pour ouvrir un projet ici. Et en fait, moi, je visais le nord de la RDC. Sauf que c'est le nord de la RDC, il y a la Centrafrique, il y a les conflits, il n'y a pas de route, il n'y a pas de moyens d'accès. Et étant une petite association, un petit budget, on n'aurait jamais pu construire un centre là-bas. Et en fait, quand je suis arrivée à Kinshasa en 2015, j'ai été hébergée par un couple franco-congolais et lui, du coup, venait de la province du Congo central. D'accord. Il s'appelle Jocelyn, je sais pas s'il est là. et donc, lui, il m'a dit, moi, quand j'étais petit, il y avait beaucoup de chimpanzés, il y avait beaucoup de gorilles dans ma province, va par là-bas, je suis sûre que tu peux faire quelque chose. Et j'en ai parlé aux autorités ou aux gens d'ici qui m'ont dit, mais non, il n'y a pas de gorilles, il n'y a pas de chimpanzés ici. Et je suis quand même allée voir, donc en fait, ça marche un peu. Ça s'est fait par contact, en fait. Il a appelé des amis qui ont appelé des amis, puis j'ai fini par rencontrer un chef coutumier qui m'a fait visiter sa forêt, et c'est comme ça, en fait, que petit à petit on est venu s'installer ici. D'accord. Et on a bien fait, parce qu'en fait c'est une zone qui est complètement nue d'initiatives environnementales. Il y a un parc national des mangroves un peu plus loin, mais sinon il n'y a absolument rien qui est fait pour récupérer et soigner les animaux sauvages. Okay. Et en même temps, on a découvert qu'il y avait des chimpanzés sauvages. Donc, on a tout à gagner, parce que nous, on veut réhabiliter des singes qu'on récupère du braconnage, et en même temps, par notre action, on va pouvoir à terme protéger les animaux sauvages qui sont encore là. Ils sont plus nombreux parce que voilà, il y a une énorme déforestation. D'accord. Mais voilà, on pourra faire une pierre de coup. Okay. Et donc, comment t'en es arrivé à devenir primatologue alors? Ah.
C'était une envie d'enfance ou tu as été inspirée par Jane Goodell et autres ou comment ça s'est passé? En fait, j'ai toujours voulu travailler en forêt. C'est vraiment essentiel pour moi d'avoir ce contact à la nature. Je peux pas vivre en ville, par exemple. Et puis oui, petite, enfin, moi j'ai pas trop de souvenirs, mais de ce que disent les dit mon entourage, c'est le film de Diane Fossey, Voré dans la brume, qui m'a un peu, qui m'aurait troublée. Et puis après, en grandissant, lisant, j'ai lu des choses sur Jane Goodall et Diane Fossey. Je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire quelque chose comme elle et de partir à l'aventure, de les étudier parce que j'adore les observer et puis oui, étudier leur comportement. Mais au final, après, c'est vraiment la conservation, la protection de terrain. Et voilà, donc j'ai cherché comment faire pour être primatologue. Donc si ça intéresse des personnes, il n'y a pas de formation de primatologue en France, que Ah, ce soit clair. d'accord, Il y a de l'éthologie en France. Alors peut-être qu'il y a des petites formations de primatologue qui commencent à voir le jour, mais je n'ai pas vraiment connaissance de diplôme universitaire là-dedans. Et par contre, l'Angleterre propose des formations vraiment spécifiques. Donc, je suis partie en Angleterre pour cette étude-là. Voilà. d'accord, ok. Mais alors, juste pour ceux qui se connectent, donc on est avec Amandine Renaud, qui est primatologue, actuellement République dominicaine du Congo. Dominicaine. Ah, République Démocratique. démocratique dominicaine. Pourquoi j'ai été chercher dominicain aussi, je sais pourquoi. Et qui s'occupe voilà, d'un orphelinat pour les singes et qui actuellement a une quinzaine de singes en pension. Quels sont les liens que vous avez avec la population locale? Les rapports, comment est-ce que ça se passe avec les gens d'ici, de chez toi? Ben, disons que ça a bien évolué en fait, parce qu'au départ, quand je suis arrivée en disant je cherche une forêt pour monter un projet singe, les gens m'ont regardée ici en disant qu'est-ce qui lui prend? Enfin, j'ai les mêmes réactions en France en même temps, hein, mais ouais. Donc les gens étaient un peu curieux. Et surpris parce que bah, il faut savoir quand même que c'est une zone où il n'y a rien du tout et là les gens n'ont pas forcément de quoi manger, n'ont pas de travail, donc ils ont plus l'habitude par exemple de voir des ONG humanitaires arriver. D'accord. Donc au départ c'était un peu bizarre. Quand j'ai commencé à recruter les premiers travailleurs et à leur apprendre le métier par exemple de parents de substitution ou de soigneurs animaliers, c'était beaucoup de questionnements de leur part parce qu'il faut savoir quand même que les singes font partie de la culture culinaire et D'accord. donc les gens les mangent. Donc il y avait ce regard, nous on n'a pas à manger et tu veux qu'on nourrisse un singe, donc c'était un peu particulier. Et en fait je dirais que c'est grâce aux singes que les mentalités évoluent parce que ceux qui sont dans mon équipe sont du matin au soir avec les singes, ils sont devenus une sorte de référence pour les singes. C'est-à-dire qu'ils vont les rassurer quand il y a un danger, par exemple. Et de même, en fait, les travailleurs sont venus me dire, mais en fait, je savais pas, mais ce singe-là, il est comme l'humain. C'est pareil que l'humain, mais c'est différent. Mais je peux plus en manger, du coup, je veux les protéger. Et en fait, c'est vraiment les travailleurs qui vont sensibiliser, bah, leur famille, leurs voisins, les gens du village, qui racontent leur journée de travail, qui racontent leur expérience. Et c'est grâce à eux, en fait, que les mentalités changent petit à petit. Et de manière générale, du coup, on est vraiment bien accepté parce que on a créé des emplois au sein du projet pour voilà, les parents de substitution, éco-gardes et autres. Mais on crée aussi des emplois parce que bah, les singes, ça se nourrit et donc on achète nos légumes et nos fruits à toutes les mamans qui sont aux alentours, en fait. D'accord. Donc au final, ça se passe vraiment vraiment bien pour l'instant. Je touche du bois. D'accord. Et Voilà. dis-moi, Amandine, t'es jeune et le fait de te retrouver dans cet endroit un peu isolé, tu te sens parfois en danger, tu te sens en manque parfois de la France ou pas du tout, tu es totalement dans ton milieu naturel, C'est un mélange des deux. Moi, je suis vraiment bien ici parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin de la forêt et d'être au milieu de ces énergies forestières, c'est juste magique. Je me sens bien aussi parce que enfin, quand on vit dans ce genre de milieu,
on est loin de tout ce qui est gadget, on est loin de tout ce qui est superficiel. Donc au final, on est vraiment remis à notre petite place d'humain dans la chaîne de la vie. Et ça, je trouve que c'est génial. Okay. On prend en conscience de tourner, en fait. Et donc j'adore ça. Après, il y a des manques parce que la RDC, c'est loin. Pour venir en RDC, c'est très cher. Il n'y a pas forcément des gens pour gérer avec le projet. Du coup, oui, la famille manque, les amis manquent, la bonne nourriture française manque, ça c'est sûr. Mm-hmm. Ouais. Mais voilà, dans son ensemble, moi je vis très bien la chose. Ouais. Ok, d'accord. Et puis les pères, donc, c'est vraiment, on a créé une famille ici, donc c'est vraiment chouette. Bon, et donc. On a vu un peu le travail que vous faites avec les singes et en même temps, oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce que vous faites sur la préservation de la nature autour? Ce qu'on fait, alors principalement, notre manière de protéger la forêt, c'est d'envoyer des éco-gardes. Donc, il y a deux types d'éco-gardes. Il y a les éco-gardes de l'État qui sont assermentés, qui sont habilités à arrêter les gens et qui sont armés. Ça, c'est soit des agents de Kinshasa, soit des policiers qui interviennent. Bah, comme hier, par exemple, on a fait une saisie sur un coupeur de bois. Donc là, on a fait appel à la police locale. Et après, on a nos éco-gardes à nous. Donc c'est vraiment du staff du projet. Et ce sont des personnes qui ne sont pas armées. Mais donc, elles vont patrouiller, elles vont sensibiliser, elles vont informer les gens en disant qu'on n'a pas le droit de couper de bois, en disant que le bois, c'est protégé. Les éco-gardes ici ont vraiment un rôle de sensibilisation et d'information. Et puis après, ils vont retirer les pièges aussi s'il y a des pièges. Parce que qu'est-ce qui menace le plus la forêt là où tu es? C'est le bois de chauffe. C'est le bois de chauffe. C'est la déforestation du bois de chauffe. Ouais. D'accord. En sachant que c'est interdit, hein. C'est interdit par la loi congolaise, mais que les gens n'ont rien d'autre pour se chauffer non plus. Donc c'est compliqué. D'accord. C'est très compliqué à gérer. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Après, il y a de la sensibilisation. Là, on prévoit de faire une campagne. Enfin, si on obtient les financements, on prévoit de faire une grande campagne de sensibilisation sur les routes de la province. D'accord. Donc, on aimerait mettre des grands panneaux d'affichage. Et après, c'est toujours avec les villageois, en fait. Soit on va rencontrer les villageois, soit on passe des messages dans les églises, soit on passe par la radio communautaire locale. Soit on fait des conférences justement pour expliquer aux gens ce qu'on fait parce que les gens comprennent pas forcément. Il y a pas mal de gens passé un temps qui me disaient si on trouve un singe, est-ce que tu peux nous l'acheter ou quand est-ce qu'ils seront assez gros pour qu'on puisse venir les acheter et les manger. Donc voilà, il y a beaucoup beaucoup d'informations à faire pour leur expliquer que non, c'est pas un zoo, que non, c'est pas un élevage. Voilà, c'est beaucoup de travail en fait. J'imagine aisément. Et alors, tout à l'heure, on l'a évoqué, on disait que que ton association achetait des terrains à très bas prix pour pouvoir agrandir la zone de protection. À très bas prix, il n'y a pas de bas prix en RDC, tout est cher. Non, non, tout est vraiment cher. En fait, soit on achète, soit on troque. Donc après. Comment ça se passe? En fait, dans les villages, il y a des familles et chaque chef de famille dispose d'une forêt ancestrale. Donc, en fait, c'est à nous d'aller voir chaque chef de famille pour négocier et savoir les besoins qu'ils ont, par exemple, au sein du village. Ouais. Donc, les 100 hectares qu'on a récupérés au départ, on les a achetés au chef coutumier, d'accord, donc contre de l'argent. Là, par exemple, on est en train de négocier avec un village voisin et là, il serait plus intéressé par des panneaux solaires ou des tôles, en fait, pour refaire la toiture de l'église. Donc voilà, ça dépend des besoins de chaque famille, en sachant qu'après, l'idée, c'est vraiment d'embaucher des gens dans chaque village pour avoir des focales, en fait, des observateurs et des éco-gardes qui nous alerteraient si, par exemple, il y a des chimpanzés sauvages ou s'il y a des chasseurs qui arrivent. D'accord. Voilà. C'est pas juste j'achète et vous quittez, enfin, vous partez d'ici, c'est... comment travailler ensemble pour préserver cette espèce. Et vous faites aussi un programme de reboisement? Oui. alors, on a un programme de reboisement qui a pris pas mal de retard parce que voilà, c'est un peu compliqué ici. Et puis maintenant, il y a le coronavirus, donc ça retarde un peu tout. En fait, ouais. L'objectif du reboisement, c'est justement sur les terres qu'on a achetées. On achète des forêts, mais on achète aussi des savanes qui étaient avant des forêts. D'accord. Et l'objectif, c'est de reboiser
toutes ces anciennes forêts qui ont disparu pour régénérer la végétation et permettre aux animaux d'avoir plus d'espace de vie. D'accord. Et donc, ça, c'est soutenu justement par des partenaires financiers français. Okay. Je ne sais pas si j'ai le droit de les citer, mais du coup, alors il y a la Fondation Yves Rocher okay. qui a été la première à nous remercier pour ce projet. On a la Fondation Maison du Monde, Not Guilty, Léa Nature et la Fondation Le Marchand avec la Fondation Sojalink. Donc, c'est que des fondations françaises qui nous soutiennent vraiment pour ce reboisement. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ça va nous permettre une avancée énorme. Et en fait, l'objectif, c'est de recruter uniquement des femmes pour ce reboisement et de reboiser que des essences forestières qui sont connues pour être consommées par les chimpanzés. Donc, il n'y aura pas d'acacia, pas d'eucalyptus, pas d'huile de palme soi-disant durable. Ce sera vraiment des essences forestières qui servent à la nature. D'accord. Ouais. Donc, on était censé commencer maintenant, mais avec le coronavirus, tout le monde est confiné. Donc, c'est encore un peu décalé. Mais il y a aussi un confinement actuellement là-bas ? Oui. Comment ils le vivent ? Parce que ça va être tellement bizarre pour eux de… Et déjà, ça doit être très difficile à contrôler le confinement dans un pays aussi vaste. Et en plus, oui. Comment ça se passe ? C'est dans le village, tout le monde respecte. Tu as vu un peu ce que ça donnait de façon concrète ? Alors, en théorie, de ce qu'on sait, c'est que le virus n'est pas encore arrivé dans la province. Il serait juste à Kinshasa. Donc là, j'ai vu que les autorités avaient vraiment isolé la capitale justement pour éviter que ça se propage. Ok. Par contre, nous, on a pris des précautions. Ça fait déjà 3 semaines ou 1 mois, je crois. En fait, on vit tous ici. Hein. Enfin, on vit. Les travailleurs ont des rotations d'un mois ou 2 mois. Donc pendant 1 mois ou 2 mois, ils rentrent pas chez eux. D'accord. Et normalement, on a un travailleur qui fait des allers-retours pour aller chercher les fruits et légumes pour nourrir les singes. Okay. Mais là, en fait, il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de sortie. Les livreurs de fruits se mettent vraiment loin de l'entrée une fois qu'ils ont déposé les sacs qu'on va récupérer. Donc, on est vraiment confinés parce qu'on est dans une zone où il n'y a absolument rien. Au niveau hospitalisation, il n'y a rien. Ouais. Et nous, on n'a pas les moyens non plus. On est encore tout petit, donc on n'a pas assez d'argent pour avoir des machines top pour réanimer les animaux. Donc, l'idée, c'est de prévenir et de se protéger au maximum. En fait. Mais alors, s'il y a un pépin de santé que tu peux avoir ou quelqu'un de ton équipe, ouais. Comment vous faites ? Bah, c'est entre nous. Hein. C'est système, on va dire, un hôpital de brousse. Hein. On a une clinique vétérinaire. On a pris les premiers soins. Après, on a un médecin qui est sur Matadi, donc à 2 heures de route, qui peut nous aider également, qui peut intervenir. D'accord. Mais là, c'est confinement total. On prend pas le risque parce qu'en fait, il n'y a pas d'études encore qui a été faite sur les grands singes, mais on sait déjà qu'ils sont extrêmement sensibles à nos maladies. Donc, ils pourraient forcément attraper le coronavirus si on l'avait. D'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on soit isolés, qu'on se protège les uns les autres et qu'on les protège eux également pour éviter la catastrophe. Et explique-moi, alors je suis désolé pour ceux qui nous suivent, mais comme moi je me suis connecté sur le compte d'Amandine, j'ai un petit bug et je ne lis pas les questions qui passent. Donc, c'est pas que je vous ignore, mais c'est resté figé en bas de mon écran. Et donc, du coup, pour l'instant, je n'arrive pas du tout à réagir à vos questions. Mais bon, en même temps, on se connecte depuis tellement loin qu'on va se dire que c'est un moindre mal. Quel rapport, toi, tu as avec les singes ? Est-ce que c'est un rapport très maternel ? Tu t'obliges à avoir une certaine distance parce que il ne faut pas trop s'attacher ? Enfin, quel est ton rapport avec eux ? Mon rapport. Bon, on est obligé de s'attacher, hein, ça c'est sûr. il faut partir du point de vue des singes. En fait, les singes qu'on récupère, il faut vraiment se mettre à leur place. C'est des singes qui ont vu leur groupe se faire tuer par des braconniers. En fait, les adultes sont chassés pour la viande. Parce que je disais, voilà, ils sont chassés pour être consommés. Donc, ils sont chassés pour la viande. Et les petits qui sont accrochés au ventre de leur mère sont récupérés pour être vendus comme animal de compagnie ou envoyés à l'international. D'accord. Du coup, ils voient leur groupe se faire décimer. Ils sont ligotés sur des mobilettes. Ils sont trimballés. Donc, ils sortent de leur habitat forestier pour découvrir des humains et le monde des humains. Donc, c'est quand même assez choquant. Et forcément, les chasseurs ou les vendeurs ne savent pas ce qu'il faut faire, donc ils ne les nourrissent pas, ils ne s'en occupent pas. Hein.
Donc, c'est que Donc, nous, des quand on animaux les assez récupère, traumatisés, quoi. ils sont totalement traumatisés, ouais, c'est ça. Et donc, en fait, quand on les récupère, ils ont forcément des séquelles psychologiques ou physiques. Et voilà, après, ça, tout dépend des individus, mais il y en a qui vont nous accepter, qui vont se dire tout de suite, ah là, je suis entre de bonnes mains, d'autres qui vont avoir peur et qui vont avoir un comportement agressif, parce que, enfin, c'est normal, hein, ils auront vécu des atrocités, de la part de l'homme. Et donc, en fait, nous, notre premier regard, c'est de les rassurer et de leur montrer qu'ils sont sortis d'affaires. Donc, forcément, il y a une sorte de lien maternel qui se crée parce que, bah, comme je disais aussi tout à l'heure, les chimpanzés, c'est des primates qui vont téter leur mère jusqu'à l'âge de 5 ans. Ils vont rester dans le groupe natif jusqu'à une dizaine d'années avant de partir, du moins les femelles. Donc, ils ont besoin de repères, ils ont besoin de famille pour s'en sortir. Et donc voilà, donc il y a ce côté maternel qui est en place, enfin qui se met en place. Les papas de substitution, c'est pareil, ils apportent l'affection, mais en même temps l'autorité. Et on est vraiment là pour les accompagner. Après, l'idée, c'est pas de les tripoter et d'en faire des peluches, mais au contraire d'être là quand ils ont besoin. Parce qu'on imagine souvent que voilà, d'être avec des singes, on passe notre journée à pouponner ou enfin que la vie est super facile. Pas du tout, hein. Ça reste des individus qui ont été traumatisés et à nous après de leur redonner confiance et de leur donner les clés pour retourner à l'état sauvage dans de bonnes conditions. Mais oui, il y a forcément un lien qui se crée entre nous. Ça, Et c'est un des explique-moi un nôtres. peu leur environnement, c'est-à-dire que j'imagine qu'ils sont quand même un peu dans un endroit un peu protégé. C'est pas une cage, c'est des enclos. Comment ça se passe leur habitat chez toi là? Chez nous. Ouais. Quand ils arrivent, donc ils ont tous une période de quarantaine parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent, donc on ne sait pas s'ils ont des maladies, s'ils vont justement contaminer les autres singes. OK. Donc il y a une période de quarantaine qui permet une sorte d'adaptation en fait. C'est là où ils nous observent autant qu'on les observe et puis ils commencent à se remplumer parce qu'ils sont souvent rachitiques et enfin ils sont vraiment en mauvais état. Et passer cette quarantaine, en fait, ça va dépendre de l'individu. Il y a les chimpanzés, par exemple, sont passés en enclos de réhabilitation. D'accord. Donc, on a un enclos électrifié de 1 hectare, notamment grâce à l'appui de la Fondation Brigitte Bardot, hein, j'y vais, hein, vu que j'ai le droit de citer. Bien sûr, c'est Et cite. du coup, c'est un enclos boisé à ciel ouvert, donc c'est pas une cage. Et en fait, c'est une première étape avant la réintroduction. Donc c'est là où ils vont se réhabituer à monter aux arbres, à faire des nids, à chercher à manger. D'accord. Et donc voilà, c'est principalement des enclos en fait. À part les petits singes dont je parlais tout à l'heure, qui eux vont tous les jours en forêt avec les parents de substitution. D'accord. Eux, c'est quasiment de la réintroduction, mais on les suit encore. Et à terme, justement, on aura besoin de fonds pour acheter des colis émetteurs pour pouvoir les suivre en forêt quand ils seront totalement libres. D'accord, ok. Voilà. Et est-ce que tu sens que, par exemple, un singe qui a passé beaucoup de temps avec vous va avoir du mal à s'éloigner de vous? Ça dépend des individus, Ouais. en fait. Ça dépend des individus. C'est aussi pour ça qu'il faut être correct dans l'apport d'amour et d'affection, en fait, parce qu'il faut pas. C'est comme un enfant, hein, il faut pas trop. Enfin, bon, bref, il faut trouver le juste milieu. Il y a des individus qui peuvent. Ça se, enfin, ouais, qui peuvent se sentir plus proches des humains que d'autres singes. D'accord. Et donc, il y a des individus qui peuvent ne jamais retourner à l'état sauvage. Après, ceux qu'on a ici, je pense qu'il n'y aura aucun souci parce qu'il y a quand même une cohésion sociale qui s'est faite entre eux, en fait, dans le groupe qui s'est créé. Et ça a l'air quand même relativement positif. Pour nous, ça, enfin, on pourrait me dire, oui, c'est difficile, tu vas devoir les laisser, les abandonner. Non, pour moi, c'est le plus beau geste, au fait, de les voir partir libres en forêt, de les voir retourner vivre en milieu naturel, avec les leurs, dans leur environnement, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Donc, ça va, ce sera pas difficile. D'accord. Est-ce que vous leur donnez des noms Oui. à D'accord. Ouais. Alors, je sais qu'il y a des projets qui n'aiment pas et qui donnent des numéros. Moi, je D'accord. vois pas l'intérêt. Donc, oui, ils ont tous des noms. Et en fait, à Piwak, pour les noms, on va dire que la période de quarantaine nous sert à observer l'animal. D'accord.
on observe oui, son comportement et entre nous, ensuite, on cherche un adjectif qui correspond au caractère. D'accord. Et ils ont tous des noms complets. Donc, voilà, il n'y a pas de... Ça a coupé, ils ont tous des noms quoi ? Des noms en lingala ou en kiyombé, les dialectes locaux, en fait. D'accord. Voilà. Donc, ça, en quoi c'est, donc, ça serait quoi l'équivalent ? Ça serait, il y a joyeux, il y a gronchon, il y a... Oui, il y a Bitumba, c'est le guerrier. Tembo, c'était la dynamique. Mayele, c'est l'intelligent. Voilà, ça dépend de leur comportement, quoi. Et est-ce que tu as un chouchou dans cette bande-là où vraiment, lui, tu te dis, putain, lui, à chaque fois qu'il me regarde, il me prend le cœur ? Un peu tous, on va dire. Voilà. Mais ils ont tous un caractère différent et ils ont tous une personnalité qui leur est propre et c'est chouette. Et dis-moi, donc on a parlé à la fois des singes, on a parlé du programme que vous avez de protection de l'environnement et de reforestation. Et comment est-ce que les gens peuvent aider ton association PIWAC? Alors, il y a plusieurs façons de nous aider. La première, c'est déjà par les réseaux sociaux, en fait, parce qu'on reste une association toute petite, on est tous bénévoles, ce qui veut dire que, enfin, par les populations locales qui sont rémunérées, on est tous bénévoles. Donc, déjà, si les gens peuvent aimer nos pages, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram, pardon, donc déjà, relayer l'information comme quand on existe, aller voir notre site internet, donc ça, c'est déjà une bonne visibilité pour nous. Ok. Après, on a besoin d'argent, forcément. Hein. Donc, ça peut être par des adhésions, par des parrainages de singes. On peut aller sur notre site piwak.org et choisir un petit qu'on va parrainer. Et l'argent, par exemple, va servir à acheter l'alimentation du singe, les médicaments du petit. Ça paye aussi une partie du salaire du soigneur. Attends, je voudrais juste qu'on soit très concret. On va surtout sur le site et à ce moment-là, on fait un don en ligne. Et à ce moment-là, la personne qui a fait le don en ligne reçoit un reçu comme quoi elle a fait un don pour une association humanitaire. Et comme ça, ça peut le mettre sur sa déclaration. Et après, vous recevez l'argent directement, sans intermédiaire. Oui, oui. On est vers nous-mêmes. Hein. C'est vraiment système familial. Donc, en fait, la personne va sur le site internet, elle procède soit au don, soit à l'adhésion, soit au parrainage. D'accord. Nous, on est avertis directement. Et pour limiter justement la déforestation, on n'envoie rien par papier. Donc, tout se fait par email. Mais on envoie un certificat de parrainage avec un dossier du filleul ou alors la carte de membre par internet. Et le reçu fiscal également pour les déductions d'impôts. Et alors, donc, par exemple. Si tu es parrain d'un singe, tu reçois de ses nouvelles régulièrement. Ça dépend du type de parrain. Ah oui, si tu es le golden parrain. D'accord, ok. Chacun. Ça dépend du type de parrain. D'accord, ok. Mais tout le monde reçoit un dossier sur le filleul avec son historique, ce qu'il a vécu avant, du moins ce qu'on sait qu'il a vécu avant. Et ce qu'il devient. Et puis, pour les parrainages, je ne sais plus comment ça s'appelle, les parrainages luxe, je crois, on envoie aussi régulièrement des photos sur WhatsApp voilà, pour que la personne soit informée. D'accord. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que, par exemple, tu pourrais me donner une idée de ce que coûte un parrainage ? Je crois que ça commence à 10 euros par mois. Il y a du 10 euros par mois, du 20 euros par mois. Parce que du coup, en fait, on a évalué un prix de parrainage annuel qui ne correspond pas du tout à la réalité parce que les frais ici sont tellement énormes que voilà, le parrainage, c'est une partie des vrais frais qu'on a sur place. D'accord. Mais voilà, c'est des prix qui sont, des prix qui sont réalistes pour les gens qui veulent nous soutenir, en fait. Mais comme c'est mensuel, s'il y a des gens qui veulent nous aider ponctuellement et pas de manière mensuelle, on peut faire un don ponctuel ou juste faire une adhésion. Il y a différentes façons. On a aussi des cadeaux de naissance. Ça, c'est super sympa. On a mis ça en place il y a pas longtemps. Par exemple, si vous avez un bébé dans votre famille qui naît, bah, au lieu d'acheter, je sais pas moi, des vêtements pour bébé, vous pouvez planter un arbre. Donc nous, on envoie la photo de l'arbre qu'on va planter pour la naissance du petit. Voilà, le petit va grandir avec son arbre en forêt tropicale. Enfin, c'est un peu magique, mais ah, c'est top. D'accord. Et, quoi. Voilà. Après, c'est toujours financier. On a une collecte en ce moment sur la course caritative, la course des héros. Bon, ça, c'est sur notre site Facebook aussi.
Et ça nous permet justement bah, de construire de nouvelles structures pour les singes. Là, on espère cette année construire un nouvel enclos de réhabilitation pour les petits singes. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Après, on a besoin de matériel, je sais pas, hein, des Motorola, des téléphones. Les téléphones, les smartphones, par exemple, c'est hyper important parce que les éco-gardes, quand ils vont en forêt, ils peuvent justement faire des photos des personnes qu'ils vont croiser ou des traces d'animaux sauvages qu'ils vont trouver. D'accord. Donc ça, c'est hyper important. Puis ça nous permet de communiquer aussi à distance. Voilà. Après, on a besoin de beaucoup de matériel, mais le problème, c'est que c'est difficile d'envoyer tout ça en RDC. Donc en général, c'est plus facile de faire des dons financiers et nous, on se débrouille après ici pour acheter sur place, quoi. Ok. Et ouais. Par exemple, le parrainage peut aussi se faire via une entreprise. Si par exemple une entreprise qui décide de vous filer un coup de main, c'est jouable aussi, ça. Oui, oui. D'accord. Et pour les entreprises, on peut même proposer aussi des conférences annuelles pour leur expliquer ce qu'on fait, donner des nouvelles. Enfin, dans tous les cas, toutes les personnes qui nous suivent reçoivent justement des nouvelles du projet parce qu'on est encore à taille humaine et qu'on fait tout nous-mêmes. Du coup, ça nous permet d'avoir un lien assez, assez sympa avec ceux qui nous soutiennent, en fait. D'accord. Bah, moi, en tout cas, ce que je ferai, c'est que je mettrai sur mes stories, le lien sur la page Facebook de PIWAC sur laquelle on peut se rendre. Je mettrai aussi le lien sur ton compte Instagram. Ouais. Et puis régulièrement, ben, je ferai des rappels et des appels aux dons pour que, on essaye de récupérer un petit truc. Oh, ça serait sympa. Mais sans aucune garantie, hein, je ne peux pas te dire parce que là, en ce moment, ah bon, il est tellement mal. Bon, on va essayer en tout cas. On va essayer. Mais est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu aurais souhaité dire qu'on n'aurait pas abordé? Oui, juste si les personnes veulent nous aider sans argent, sans aller sur Internet, juste essayer de faire des achats intelligents. Ça, c'est. Je sais que la cause des forêts et des chimpanzés, ça paraît vraiment loin pour la plupart des gens qui sont en France. Mais en fait, d'acheter intelligent en France, ça aide déjà énormément. Donc, par exemple, ne pas acheter d'huile de palme. Ça, je pense que tout le monde est au courant, mais c'est quand même bien de le rappeler. L'huile de palme certifiée, c'est la même chose. Donc, on évite aussi. Il y a plein d'huiles qui existent, de colza, de tournesol ou autres qu'on peut remplacer. L'huile de coco, l'huile de palme, c'est un peu la même chose, donc faut éviter. Tout ce qui est bois tropical, je sais que ça se voit encore dans les magasins pour faire des beaux parquets, des beaux meubles. Il faut éviter parce que tout ça, ça vient d'ici, en fait. Et tant qu'il y aura des demandes chez nous en France, la forêt sera déforestée ici pour... Et pas que en France, dans tous les pays industriels. Donc ça, c'est mine de rien, c'est rien, quoi. C'est pas difficile à faire, c'est pas forcément plus cher. Et ça nous aide vraiment concrètement. Voilà. Super. Bon, bah écoute, moi je suis ravi en tout cas qu'on soit retrouvés dans des lieux aussi différents, toi en République démocratique du Congo et moi en Espagne. Et c'est super ce que tu fais. Vraiment, merci, c'est incroyable de te... Je ne suis pas toute seule. Ouais, je sais bien, mais quand je dis toi, c'est toi et ton organisation, toi et ton équipe. Ouais. Mais franchement, c'est bluffant de voir comment est-ce que toi, tu as décidé à un moment que c'est ça que tu allais faire dans ta vie et te donner les moyens et qu'en même temps, ben, tu développes de plus en plus ton association. Et c'est franchement bluffant, quoi. Donc, félicitations. Et, ouais, merci. Voilà. C'est important. Merci de nous donner la parole aussi. Hein. Ben non, mais c'est normal. Et puis nous, tu vois, nous, on est un peu tankés chez nous. Enfin, la plupart d'entre nous sommes tankés dans nos appartements, dans nos maisons, etc. Et puis toi, tu t'occupes de la faune et de la fleur. Et donc, vraiment super. Bravo, félicitations. Merci. En même temps, si on ne le fait pas, qui va le faire, hein? Ben ouais, ça c'est clair. Non, c'est super, bravo. On prendra régulièrement des nouvelles et puis, ouais. Je vais poster sur les stories un moyen d'accès à ton site, de PIWAC sur Facebook. Et puis, te souhaiter que des bonnes choses, que le corona n'arrive surtout pas chez vous. Et, ouais. Et tu salues tous tes petits protégés. Et voilà, nous on aurait adoré les voir, mais évidemment ils doivent vivre leur vie. Ils sont en forêt. C'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Hein. C'était chouette comme expérience.
Avec plaisir. Et puis voilà, on se tient au courant Ok. et à très vite. À Donc bientôt. ça va être à toi de raccrocher parce qu'on est sur ta Ah, radio. d'accord. Ok. Alors, je ne sais pas comment faire, donc je Voilà, vais bah, tu regarder. dois avoir une petite croix là. Tu dois avoir une petite Ah croix oui, en sur terminé. l'écran. Voilà. Ok, Au revoir super. tout le Bon, monde. à Désolé bientôt. de ne pas avoir pu plus répondre, avoir la possibilité de répondre à vos questions. Mais mon écran s'est figé. Donc voilà, je suis désolé. Voilà. Allez, au revoir. À bientôt.